Suite à notre dernier épisode, on avait regardé un petit peu comment se développait notre ville. Et puis on avait essayé de résoudre un petit peu nos soucis par rapport à ces nouvelles technologies que l'on avait mis en place. Et notamment cette espèce de contrôle net. Donc on va essayer de continuer un petit peu dans ce sens-là dans cette vidéo. Donc on voit que on a un petit peu baissé les impôts, on a construit une école et puis ça a relancé un petit peu le nombre d'habitants, puisqu'on est bientôt, on a bientôt doublé en très peu de temps le nombre d'habitants, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on va continuer à construire de la résidence puisqu'il y a de la demande, donc il faut y aller. On va faire le découpage habituel. Et hop, de la zone résidentielle. Parce qu'on a clairement de la demande. Et on va leur mettre des commerces juste en face. Ça, ils seront contents. Donc, je suis désolé. T'as commencé à construire ton truc là, mais je vais être obligé de te casser ton délire. Parce que sinon, je vais avoir des soucis. Impeccable. Ça construit petit à petit. Un sacré baraque qui sont construits ici, on peut voir. Hein. Au niveau de l'architecture, ça fait vraiment très moderne. Puis c'est sympa ces routes là qui sont connectées où on voit la modernité. C'est beau. Alors, si on construisait une université, la ville deviendrait un pôle éducatif et tous les étudiants viendraient vivre ici. Ouais. C'est quoi ça? C'est un centre universitaire. Donc là, ça y est, c'est bon, on a validé la mission qu'il fallait qu'on ait 60 Sims qui aillent à l'école. Et bien, voilà, mission complète. C'était vraiment pas dur. Ah, c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse, l'université? Le problème université, c'est que c'est clair que ça va attirer du monde, sauf que ça coûte une blinde. On a le centre universitaire, mais c'est ce qu'on a déjà construit. Et lui, par contre, ben, il coûte moins cher. On va voir s'il arrive à saturation. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais on est quand même relativement loin, même si ça monte. Pas convaincu que. Sature de le centre universitaire. On va rajouter du ramassage scolaire aussi, parce que ça aussi ça augmente la satisfaction des habitants. Voilà, on leur met un ramassage scolaire juste devant chez eux, à eux, alors qu'ils sont juste en face de l'université. Pas grave, pas grave, pas grave. Ils s'en remettront. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oula, mais le nombre de résidents a complètement explosé d'un seul coup, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais l'école arrive à saturation, c'est ça le problème, Nike. Ah ouais, par contre, elle est arrivée à saturation. Ça marche. J'avais pas vu. Autant pour moi. Ben, on va lui construire des extensions.
Histoire que... Parce qu'apparemment cette école elle a l'air d'être vachement... vachement utilisée. Hein. Monter le ramassage scolaire aussi. Enfin, ça a un coût mais en même temps je dirais que ça vaut le coup de mettre les sous dedans quoi. Ces étudiants qui vont aller à l'école primaire, et ben après ils vont aller à l'université, et ça c'est bien. Là, on le voit clairement. Hein. Donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des immeubles qui sont construits finalement, c'est ça qui s'est passé. Et du coup, la construction de ces immeubles a fait que bah, ça a attiré des élèves. Et donc, bah, ça nous a amené à la saturation qu'on a connue. Ah, c'est ça l'usine qui s'est construite. Bon, espérons qu'elle ne crame pas. On va essayer de mettre de la sécurité. Vous trouverez toutes vos playlists, un peu peur, moi, avec préférés, conneries, et hein. Vos titres sauvegardés comme sur votre ordinateur. Pour commencer, lancez tout simplement l'application pas assez Spotify. De Simples. Ouais. Et vous connaissez ce titre? Donc là, on a. Et celui-ci. Pour l'instant, on gagne 500 par heure. C'est bien suffisant. Et celui-ci? Voilà maintenant quelque chose que vous allez certainement aimer. Le bois de Boulogne est une ville futuriste, mais n'arriveriez pas à la rendre encore plus futuriste. Que diriez-vous de placer des bâtiments urbains futuristes comme des nouveaux parcs futuristes ou une station d'hydropompage? Ouais, ça marche. Et là on a une quête pour les ramassages d'ordures. Alors, qu'est-ce qu'il va? La terre peut prendre nos ordures, recycler, utiliser, recycler. Nous devons nettoyer tout ce que nous avons fait, la pollution a atteint des niveaux records. Construisez une centrale de recyclage, rendez ce monde meilleur pour les enfants. Ouais, bon, si tu veux. Alors, ils veulent que je construise des trucs... Votre dernier record a été de 51 bâtiments modernisés. Jusqu'ici, vous avez modernisé 0 bâtiment pour cette mission. C'est-à-dire moderniser, enfin voilà, j'ai pas fait grand chose en fait. Là par contre je peux mettre des Adrenatorium, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça va leur faire plaisir. Bon, la place du millénaire on l'avait déjà mis. Dans les complexes sportifs, on a quoi hein? Le centre sportif ERA. Et ben, pourquoi pas? Ça aura un impact sur ces immeubles-là. Mais on va voir si... des conséquences un petit peu sur notre ville. Mais là c'est assez hallucinant parce qu'effectivement on vient de prendre masse d'habitants. On a 6892 habitants alors que tout à l'heure on avait que 1000 en début lorsqu'on a commencé cette série. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? En construisant une raffinerie de pétrole, on pourrait améliorer considérablement notre industrie pétrolière. On pourrait commencer à transformer le pétrole brut en plastique. Et en carburant pour les voitures et avions. Vous imaginez tout l'argent qu'on pourrait se faire? Pour moi, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est pas con. Sauf que pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'excédent de budget pour se permettre de faire ce genre de truc. Bon, on se rappelle que je voulais construire une caserne de pompiers ici, histoire d'avoir une certaine couverture. Des industries. Parce qu'il ne s'agirait pas que nos usines elles, se mettent à flamber. Mais par contre, pour faire une clinique, ouais, c'est 20 000 aussi, hein, donc il va falloir attendre un petit peu.
Alors, j'ai comme l'impression qu'on a l'amélioration de l'Amérique qui est disponible. Du coup, on va la passer en niveau 2. Voilà. C'est la fête. On va avoir le niveau de satisfaction de tous nos habitants d'un seul coup qui va popper, ça va être chouette. Pas tant que ça en fait. Et donc notre mairie hein, qui vient d'être améliorée. Et donc on a à ce stade la possibilité de lui attribuer des extensions. Et donc dans les extensions on a le ministère des services publics, le ministère du transport, le ministère du tourisme, de la sécurité, des finances, de l'éducation. Panneau du maire, ça fait 850. Alors, si vous pensez que les enfants sont l'avenir de votre ville, il vous faut un ministère d'éducation, ce service municipal vous permettra de placer des lycées et des universités. Pas la peine, laissez parler aux experts qui vont contrôler le niveau d'imposition. Accès régional accordé, contrôle des taux d'imposition par zone et niveau de richesse. Ça peut être pas mal ça. Place la sécurité en deuxième position sur la pyramide des besoins. Il faut de bonnes bases pour protéger votre population au travers des services municipaux permettant de lutter contre les incendies, les maladies et le crime. Ouais. Transformer votre ville en un piège à touristes avec le ministère du tourisme. Non, ça c'est bon, ça va amener de la criminalité aussi, c'est pas la peine. Régler les problèmes de circulation avec le ministère du transport, vous disposez de nouvelles inventions de transport, calculer bus, ferry, train de voyageurs, un aéroport municipal. Pouf, pas besoin. En fait, déjà tout a été mis en place dans les régions voisines, donc finalement, peut-être pas non plus s'affoler. Hein. On peut même faire un héliport. C'est pas chouette ça. Ils mettent en plus pour les maires qui souhaitent soigner leur entrée. C'est très drôle. Bon alors on a un petit creux au niveau budget là. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a l'air meilleur son. Sauf que tes impôts il en faut, il n'y a pas le choix. Mais ça serait bien que ça reparte un petit peu parce que là du coup on est vraiment en déficit. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Barils de pétrole brut en une journée, 341 jusqu'ici. Effectivement, on n'est pas encore tout à fait là. Hein. Un peu. On a validé la mission de traitement des ordures. Faites en sorte que vos camions de ramassage de matières recyclables collectent 10 poubelles supplémentaires. Ça devrait se faire automatiquement. À mon avis, on a les voisins qui ont posé ça et ça vient récolter chez nous.
Alors heureusement qu'on vend des choses hein, avec nos productions, parce que sinon donc on a des véhicules de pompiers qui viennent chez nous. Les grands travaux, donc qu'est-ce qu'on a en grands travaux? On a la centrale ce serait l'archéologie qui serait pas mal, mais il faut un max de pognon pour la mettre en place. On verra par la suite. Une forte demande en résidence, donc il va falloir qu'on refasse des carrés d'habitation. De grands pavés hein. Là, on va avoir de la populace qui va arriver en plus. Et donc, c'est sur cette nouvelle zone de construction que l'on vient de réaliser que l'on va se quitter. Et puis, on se dit au prochain épisode. J'espère que ça vous plaît toujours. On vous dit à très bientôt. Allez, portez-vous bien. Salut à tous.